C'est le J-1 de la foire exposition de Rieux-Pérou. L'équipe de bénévoles comme les exposants sont sur le qui-vive. On participe à la foire exposition de Rieux-Pérou parce que moi je suis le chef, le responsable de magasin RGT de Rieux-Pérou. Et c'était une nécessité pour notre maison d'être présent à la foire de Rieux-Pérou. Et qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça nous apporte une reconnaissance par rapport à la population rurale et urbaine de la région. Et je suis Daniel Bouche, je suis le président de la 5e foire expo depuis. Je suis la foire expo depuis la 5e foire. Donc la 5e foire. Bon, alors qu'est-ce que ça vous inspire cette foire, cette foire exposition, qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, je suis exposant déjà depuis 40 ans et donc on a créé cette foire par des exposants, pour des exposants. Bon, alors au niveau des entreprises finalement, le fait d'avoir une foire comme ça, qu'est-ce que ça leur apporte? Ah ben c'est vraiment, c'est des marchés, c'est une foire expo, c'est porteur, donc les visiteurs, on voit des visiteurs et donc c'est porteur pour remplir le carnet de commandes. Oui, alors les clients, ils se déplacent en nombre. Chaque année, vous pulvérisez des records. Tout à fait, comment vous expliquez ça? Eh bien, je ne sais pas, parce que bon, c'est peut-être cette foire est dans le bourg. Je ne sais pas comment vous dire, c'est une foire qui est dans le bourg de Villefranche, de Rieux-Pérou, et fait par des bénévoles et pour des exposants. Et je ne sais pas pourquoi il y a autant de monde à cette foire expo. Oui. Alors le coup d'envoi, c'est à quelle heure demain? C'est 10h demain matin. Voilà, vendredi matin.